Sérieusement, pourquoi pas les BTS? BTS est devenu trop commercial. On les entend partout, on les voit partout, alors que EXO, ils sont dans leur coin, ils font leurs clips. Ils viennent de sortir Love Shot et Tempo. Et en fait, les BTS, on les entend trop. Au début, c'était cool, mais là, c'est bon. La cerise, ça y est. Salut à tous, c'est Joti. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en direct d'une soirée K-pop, K-pop. Et en fait, là, je vais aller poser à des gens des dilemmes super corsés sur la K-pop. J'espère que vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Easy One ou Twice? Twice. Easy One. Je suis pas trop fan des concepts de Twice. Enfin, je les aime bien, mais c'est pas trop mon style. C'est genre trop cute pour toi, Twice? Oui. Trop mignon? Trop mignon, ouais. Aucun. Aucun, sérieux? Aucun. Ouais, non, vraiment, j'aime pas les deux. Pas le genre de concept que j'aime. Et toi, t'aimes quoi comme concept en général? Moins mignon? Moins mignon, oui. Genre un peu plus agressif, un peu plus dark, un peu plus sexy? Oui, sexy, ça passe. Izone, clairement. Bah, Twice, je veux pas, je critique pas, mais c'est pas mon style. Ok, Izone. Twice, parce que je connais pas l'autre. Easy One ou Twice? Easy One. Parce que c'est plus frais, on va dire. Enfin, les visuels, les concepts, ils sont assez développés, même si Twice, en soi, c'est beaucoup plus haut, entre guillemets. Pour l'instant, je préfère Easy One, même si avant, je préférais Twice. Izone ou Twice? Je vois que tu bégayes là. Twice. Ouais. Bon après en soi... Bonne réponse. En soi Twice, c'est pas un groupe que je kiffe de ouf, mais après genre au niveau de leur personnalité, de comment ils s'investissent dans leur chorégraphie et dans leur clip, je trouve que franchement c'est un bon début. Izo, parce que je préfère toi à Twice. Je sais pas, je supporte pas. T'aimes pas du tout les Twice? Ils sont trop mignons pour moi et j'aime pas quand c'est trop... Je sais pas. Izone, parce que j'aime pas Twice, c'est trop mignon. T'aimes pas les trucs mignons? En fait si, mais elle force. C'est trop du surjoué, c'est du commercial, j'aime pas. Mais la K-pop c'est du commercial à la base, non? Ouais, mais il y a Twice et il y a la K-pop. C'est trop mignon, non, j'aime pas. Twice, parce que Momo c'est ma pièce. Izone, mais personne aime Twice ou quoi? J'ai l'impression qu'en Corée ils aiment beaucoup plus Twice, mais ici pas tant que ça. Moi non plus je suis pas très fan de Twice. Twice. EXO ou BTS? BTS. BTS. Vous êtes des BTS Army? Oui. Vous êtes partis à leur concert là récemment? Oui. Yes. Oui, c'était génial. EXO. Attention, on s'y attendait pas. Attention les BTS Army. Non mais tranquille, avant j'étais, mais depuis qu'ils ont voulu faire genre... Tu peux dire ce que tu penses, Irina, t'inquiète. Depuis qu'ils ont voulu faire genre que c'était des politiciens aller à l'ONU et tout ça, enfin voilà. Je me suis dit non, mais là c'est comme Jean Lassalle qui commence à chanter et tout, ça me gêne en fait. C'est pas comme ça que je les vois, c'est pas leur rôle pour moi. Ok, du coup maintenant EXO. EXO, ouais. Alors... Le plus rapidement possible. Non, ok, BTS, parce que EXO, je connais moins bien, et surtout BTS, j'écoute depuis plus longtemps. Moi c'est BTS. Ah, je suis désolé, hein, BTS. Hein. EXO. Ah, je sens que tu vas galérer là. EXO. EXO ou BTS? Bah, EXO. Sérieusement? Pourquoi pas les BTS? BTS est devenu trop commercial. On les entend partout, on les voit partout. Tout alors que EXO, ils sont dans leur coin, ils font leurs clips. Ils viennent de sortir Love Shot et Tempo. Et en soi, ça a pas fait autant de succès, mais ça a pas autant parlé comme BTS. Du coup, tu les aimes bien parce qu'ils ont pas fait autant de succès que les BTS? C'est ça, en fait, les BTS, on les entend trop. Au début, c'était cool, mais là, c'est bon, la cerise, ça y est. Genre, les EXO, ils étaient au top il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai, avec Overdose, Wolf et tout, mais bon. Entre temps, après, on va dire qu'ils ont fait une petite pause. T'as les BTS qui sont arrivés et après, les EXO se sont réimposés. Mais en soi, toujours les EXO. EXO? Direct. Bah oui. Pourquoi? Parce que voilà, c'est EXO quoi. C'est. Les BTS, j'aime bien leur musique, mais ils m'attirent pas du tout. Je préfère les musiques d'EXO quoi. EXO. EXO depuis toujours, franchement. BTS, c'est vrai qu'ils arrivent dans le game depuis. Mais franchement, EXO. Il me semble que BTS, ils font plus de ventes que l'EXO, non? Ouais, mais après, les ventes, ça fait pas la qualité du groupe quoi. Ok, et c'est quoi ta chanson préférée des EXO? Franchement, je pourrais pas en choisir. Toutes? Ouais, toutes. La dernière que t'as écoutée par exemple? Love Shot, du coup. T'en as pensé de quoi, Love Shot? Du fan service? Oulala! Un caille, oh putain, interdit au mois de saison. EXO. C'est quoi ta chanson préférée d'EXO? Monster. Monster d'EXO? Oui, c'est l'une des premières chansons que j'ai écoutées d'EXO. Ok, du coup t'as connu la K-pop en fait avec EXO, c'est pour ça? Non, en vrai j'ai connu avec BTS. T'as connu avec BTS et tu préfères quand même EXO? BTS. Bruh. Bah, BTS. BTS, bitch. Ah, BTS all the way. EXO. Moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Jessie ou Ciel? Très dure cette question quand même. Les deux? Les deux, ok. Les deux pour Sophie. Et toi Camille? Ciel. J'écoute plus Ciel que... Je sais pas, c'est la queen pour moi. Ciel. Parce que déjà elle est là depuis plus longtemps, je pense. Elle a un charisme de ouf. Ciel, clairement. Ciel direct. Ciel aussi, ouais. Ciel aussi. Mais je sais pas, Ciel pour moi elle est quand même plus, c'est plus une figure que Jessie en tout cas. Ciel, ouais, clairement. J'ai commencé avec elle et je finirai avec elle. Bonne réponse. Jessie. Parce que je sais pas, elle se lâche un peu plus.
Ah, je peux pas. Attends, je crois j'ai l'impression que c'est la question la plus dure du ouais, quiz. C'est dur. Parce que... Ah non, elles sont pas comparables. Mais franchement, si, elle, parce qu'elle était dans 21. Sinon... Ah, la base. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Je préfère Ciel. Ciel. Oui. C'est bien, check là. Oh, c'est chaud. Jessie. Ciel. J'avoue, c'est chaud comme question. Ciel. Jessie. Quand je la connaissais pas, Ciel. Mais après, tu vois, quand j'ai vu sur scène et tout, Jessie, comme elle était, franchement, elle met du cœur avec les fans, donc... Non, c'est vrai, ouais, elle ambiance vraiment grave bien. Ok, du coup, Jessie pour vous deux. Je pense, ouais. CK ou J-Park? J-Park. Attends, t'es en train de réfléchir, t'es en train de... Ça fuse là dans ton cerveau, non? CK. Passe. Non, J-Park. C'est dur, CK. Là, je suis pas trop calé en K-rap et tout, mais... J-Park. CK, j'ai pas payé ma place de concert pour rien. Ah, du coup, tu vas au concert aussi? Oui. Ok, on se rejoindra là-bas. Carrément. J-Park. Ouais, parce que c'est lui, j'ai connu en premier et je me suis attaché à lui, du coup, je préfère lui. J-Park. J-Park. J-Park aussi. C'est pas pareil, il faut que je justifie quand même ma réponse parce que J-Park il est là depuis plus longtemps quand même. C'est un des deux parce que je vais au concert de Shikei donc j'aime bien. C'est vrai que Shikei c'est un peu son petit en fait à J-Park. Ouais, tu peux pas comparer les deux, c'est pas le même niveau. Ok, on se verra au concert de Shikei. Ouais. J-Park. J-Park, ouais. C'est mon main J-Park. J-Park. Tu vois, j'aime bien J-Park et Taeyang moi. Moi J-Park et Taeyang. C'est un b-boy, tu vois, il danse aussi, j'aime bien. Okay. Est-ce que vous préférez Jungkook ou Jimin? Jungkook. Pareil. Personne n'aime Jimin ou quoi? Si, mais on les aime tous, mais Jungkook. Irina, elle est en train de phaser là. Jimin. Jungkook. Jimin. Jimin. Pour la danse, parce qu'il fait un peu de contemporain, etc. Enfin, j'aime beaucoup. Il danse très bien. Très bien. Même si tous les BTS en soi dansent bien. Jimin. Genre ça a été fait au feeling en fait quand j'ai commencé à regarder, à écouter les BTS, à voir leurs clips, tout de suite Jimin. Au début ça a été Jungkook parce qu'il était plus imposant, c'était le premier imposant dans le groupe. Mais après quand j'ai vu Jimin, ses performances en solo, j'ai dit Jimin. Pas les deux. Sérieux, t'aimes pas du tout les BTS en fait? Non. Genre c'est les deux que je supporte le moins. Jungkook. Je préfère Rap Monster. Quoi? T'aimes aucun des deux? Je les aime bien mais je préfère Rap Monster quoi. Parce que c'est un rappeur c'est ça? Oui c'est ça. Jungkook ou Jimin? Oh là là. Wow. Et tu veux wow. Dire moi j'étais déjà. Jungkook, ok. C'est un choix difficile, hein. Mais Jungkook. Et toi? Jungkook. Jimin. Jungkook. Winner ou Icon? Icon. 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 Oh. Icon. Ouais. Non. Icon. Icon aussi, c'est... Winner. Direct. Direct. Parce que... Presque tous leurs sons, enfin tous leurs bop, ils m'ont marqué, c'est vraiment ouais winner. Même si Icon, je l'équipe de ouf. Icon. Winner. Icon. Ma première cover, c'est sur Monster, justement. Ok, du coup, n'hésitez pas à aller checker sa prochaine dance cover. Ok, du coup, toi, t'es dans le Dance Crew Namja Project, c'est ça? Yes, c'est ça. Icon. Bobby, c'est mon fav. Donc, Icon. Winner. Icon. Taemin, des Shiny, ou Kai? Taemin. Kai de EXO. Tu réponds pas? Je ne peux. Kai aussi. Hein. Kai. Vu que je suis EXO depuis longtemps, je préfère Kai et puis c'est mon bias. Taemin. Je peux pas choisir. Je peux pas. Taemin. Kai. Est-ce que vous préférez Taemin ou Kai? Taemin. Il a compris plus de trucs que Kai déjà. Après. Comment ça? Il a déjà fait plein de solos. Il a déjà de l'expérience, tu vois, alors que Kai, pas encore. À voir, mais pour l'instant c'est Taemin. Elle a tout dit. À un moment donné, elle a tout dit. Du coup, Taemin. Ouais. Taemin pour la carrière qu'elle a eue et les galères qu'il a dû endurer en tant qu'idole super jeune. Largement Taemin. Kai. Jenny ou Lisa? Lisa. Attends, t'as ruiné, t'as... t'as aspiré tout l'air, genre. C'est trop dur. Lisa. Lisa. Lisa, ouais, Lisa aussi. Ouais, Lisa. Lisa. T'hésites vraiment pas, hein? Non. Faut être du tac au tac. Jenny. Ah oui. Elle commence sa carrière solo, je sais très bien qu'elle va finir avec une carrière de ouf. Un peu comme Ciel. Lisa. Ok, moi aussi. Non, je préfère quand même Jenny. Parce que Lisa, elle est belle, elle danse bien. Jenny, elle est pas belle. Et vas-y, c'est trop du coréen. Moi, je veux un peu d'étranger, genre... Genre non-coréen, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Moins coréen que... Enfin, ça change du faciès coréen. Lisa. Je préfère Lisa parce que, bah, c'est le sang, quoi. Je suis Thaï. Ah, t'es Thaïlandais? Oui. Représente la Thaïlande? Ouais. Lisa, si tu nous regardes, je pense pas que tu nous regardes, mais... Ouais. Alexandre, il est fier de toi. Lisa ou Jenny? Lisa.
Jennie. Alors Lisa all the way, parce que Jennie, moi je crois aux rumeurs qui ont été dites sur elle, c'est-à-dire que c'était une bully, j'aime pas trop, et en plus en ce moment ils sont grave en train de mettre en avant Jennie avec son solo, et je trouve que c'est pas juste. Y'a pas eu de jeu de mots avec solo? C'est pas juste. C'est très très nul. Jennie, c'est pas justifié, je trouve. Enfin, sa musique, elle est pas non plus terrible, je dirais. Elle casse pas des briques, hein, Jennie. Je préfère Lisa, elle a grave du talent, surtout en danse. Jennie. Moi, j'aime bien Lisa. Pourquoi Jennie et pourquoi Lisa? T'as vu solo? Oh, ah. T'as vu solo? Ok.